Salut, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve ici dans mon point de vue tutoriel, le tutoriel le plus attendu, le tutoriel que tous les internautes ont déjà passé le temps à fouiller dans les forums, fouiller dans les groupes de discussion et aussi dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment changer la marque d'un Huawei BM626E. Généralement, je vais vous présenter cette Huawei sur la toile. Voilà, vous avez vu l'interface là. Vous avez, je vais taper Google. Ok, je vais vous montrer une Huawei BM626E et vous allez voir quoi cela ressemble. Vous avez cherché des tutoriels comment changer généralement l'adresse MAC suite à un blacklist et vous n'avez pas trouvé. Aujourd'hui, je vais répondre à votre demande de comment changer l'adresse MAC d'un Huawei BM626E. Je crois que j'ai enfin trouvé la solution. Je crois que la solution est pour moi, mais ce type de changement est justement temporaire, c'est-à-dire à chaque redémarrage, vous devez changer votre marque. La marque du One, autant pour moi, du One. D'accord. Grâce à l'utilitaire Putty, vous allez installer Putty dans votre ordinateur. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, on va s'attaquer à notre modem ou à notre box via le protocole Ethernet qui est le port 23. Vous pouvez encore l'éditer sur votre CMD, mais c'est toute une procédure pour pouvoir l'activer sur le CMD. Déjà, je vais entrer cela. Vous avez vu? Voilà. Voilà, j'entre la cible, appelle encore le target. Vous avez vu, je viens là, Telnet, je fais open. Il m'a fallu environ 6 mois pour pouvoir trouver cette méthode qui n'était pas présente sur le web. J'espère que vous devez partager la vidéo et vous abonner, inviter vos amis à s'abonner à notre chaîne YouTube déjà. Voilà, le mot de passe, c'est le mot de passe habituel. Vous connaissez déjà le mot de passe. Ce mot de passe habituel, donc là on ne doit pas. Voilà le mot de passe. Voilà, copier et là on colle. Non, attendez, je rouvre petit à nouveau. Voilà, on prend le protocole Telnet, on fait open. On fait mode nom d'utilisateur admin, mot de passe, on coule, admin, voilà. Le mot de passe par défaut en tant qu'administrateur, c'est M en majuscule, T en minuscule, N en majuscule, arrobase, point d'exclamation, 6, E minuscule, C majuscule. Et on tape entrée. Justement, nous sommes connectés à l'interface. Maintenant, nous allons manipuler un peu les commandes, le CMD sous le Telnet. C'est pas quelque chose de facile. Déjà, étant donné que le système d'exploitation de notre modem est basé sous Linux, donc ça c'est pas très facile de manipuler. Mais la méthode évidente est très simple. Donc, je vous demande justement d'être attentif et de voir, d'observer justement. On tape là la barre Help, point d'interrogation, demande de l'aide. On a vu là commit to configure, enable enter privilege mode, help. History, Lockout, Reboot, and Shell. D'accord, là, déjà, on va faire le Enable. On va entrer en mode privilégié. Voilà, Enable. Nous sommes déjà le mode Enable. Donc, dans les modes privilégiés, on tape encore le point d'interrogation. Question de voir ce qu'on appelle de l'alerte. Voilà, on a vu là, on a commit configure, debug, exit, factory mode. Help, history et router. Ce qui nous intéresse ici, c'est router. Étant donné, on peut pas entrer dans le mode factory, sauf si on veut télécharger le backup. Donc, je vais vous montrer plutôt comment entrer dans router. Vous tapez justement là, router. Vous tapez sélection entrée. Et nous sommes déjà dans router. On tape encore help. Justement, entrée. Voilà. Ici, on a une liste de commandes qui s'affiche. On a déjà là One. Ce qui nous intéresse ici, c'est One. On a Show qui permet Show Information, afficher l'information. Voilà, on va faire Show One. Voilà, vous avez vu ici, voilà le nom du compte. Et voici l'adresse MAC. Comment changer l'adresse MAC? Justement, la commande, comme vous pouvez l'observer là, ça c'est une recherche que j'ai pu faire. Voilà, on va mettre cette MAC. Voilà. Justement, on écrit là One Mac.
Voilà. One Mac. On va écrire 34 CD BE E8 E0 2.12. Ce qui nous intéresse ici sont les deux premiers octets d'un 34 CD et 34 CD. Bon, déjà, vous avez vu ici, c'était l'ancienne marque, était 34 CD BE D0 C4 8. Donc, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justement, tout ce qui nous reste, c'est de taper sur la touche Entrée et patienter. Voilà, notre marque a été changée. Si vous voulez, on peut la vérifier là. Show one. Voilà. Ce changement, justement, est temporaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi de partager la vidéo, d'inviter vos amis à s'abonner à notre chaîne YouTube. Déjà, merci. On se retrouvera prochainement, sûrement, pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt.